Voici la deuxième partie du Qigong des poumons. C'est une partie un peu différente puisqu'elle est essentiellement dédiée au son guérisseur des poumons. Bon, il existe différentes traditions de son guérisseur, donc ici nous nous en référons à des sources diverses. C'est très efficace, il faut pratiquer, il ne faut pas hésiter à pratiquer tous les jours. Surtout en période d'épidémie qui concerne justement les poumons. Voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller de pratiquer encore le Qigong des poumons que j'avais partagé avec vous dans la partie 1, hein, qui est quand même, qui demande un engagement physique assez important et qui est très 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 bien. Comme préparation à ce que nous allons faire maintenant. Donc, ce que nous allons faire maintenant, ça reste quand même physique, physique et énergétique, mais vous voyez, je suis assise, ce qui indique aussi qu'on va aborder une partie de la pratique qui est un petit peu plus intériorisée. Voilà. Alors, un petit exercice quand même d'ouverture de la cage thoracique pour commencer, c'est celui-ci. Avant, je voulais préciser que je ne suis pas affalée, je ne suis pas appuyée contre le dossier de ma chaise. Je me suis installée sur le bord, enfin pas trop quand même, il faut que ça reste confortable, mais le dos est droit sans avoir besoin d'un appui. Hein. Comme ça, j'ai ma posture, il y a toujours une recherche posturale de toute façon dans tout ce que nous faisons. Donc là, j'ai ma posture, les pieds bien à plat sur le sol. Pour avoir un bon contact avec la terre, hein, je ne suis pas là comme ça, non, non, non. Les pieds sont plutôt placés parallèles, hein, par rapport au bord extérieur des pieds, et à peu près à la largeur du bassin, voire un tout petit peu plus, mais à peine. Bien, donc on y va, un exercice quand même de préparation pour ouvrir un peu la cage thoracique. Donc c'est celui-ci. Voilà, je vais poser la pointe du coude dans le milieu de la paume de la main, ici, et c'est cette main qui va guider. Donc, j'inspire, j'expire, la main pousse le coude qui pousse l'épaule. Voilà, et à partir de là, je trace un cercle devant moi en respirant. J'inspire en montant. J'expire en descendant. Dans l'autre sens, c'est toujours la main qui guide. Le mouvement n'est pas obligatoirement grand, hein, on ne force jamais. Voilà, je
je fais des cercles assez grands si tout est bien délié, si ça va bien. Sinon, je les fais plus petits, c'est pas grave. Donc je ne me crispe pas, les épaules sont très très détendues. Donc de l'autre côté, inspire, expire. Donc la main pousse le coude qui pousse l'épaule en arrière et ça démarre le traçage du cercle. J'inspire en montant, j'expire en descendant ici. Et je sens la cage thoracique qui se délie, qui s'ouvre. Allez, encore une fois, ça fait du bien. Je change de sens. Alors bon, c'est mon rythme là de ce soir. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer à la même vitesse. Écoutez-vous. Vous pouvez pratiquer un peu plus lentement ou un peu plus rapidement. Pour que ça reste un exercice facile, confortable et agréable. Voilà. Bien. Vous voyez, j'ai encore moi aussi des petites des petits chats dans la gorge. Et en fait, c'est le cas depuis quelques jours et je remarque que ces exercices des poumons ont vraiment un effet nettoyant. Hein. Donc s'il y a des petites mucosités ou quoi, vraiment ça, tous ces exercices vont avoir un effet purifiant, nettoyant sur les poumons, et après on a besoin, envie d'expectorer un petit peu. Voilà, dans cette position que nous reprendrons tout à l'heure, en fait, c'est tout simple, j'ai simplement posé les mains comme ceci sur les cuisses, sur les genoux. J'inspire, j'expire à mon rythme et je sens qu'à chaque expiration, quelque chose s'apaise en moi. On a vraiment la sensation que c'est comme si un niveau de quelque chose de très, très léger, très doux, boum, descend comme ça, d'un étage à l'autre. Jusque dans les jambes, on peut même vraiment avoir la sensation que quelque chose passe des pieds vers le sol. Sensation de s'alléger. Très très bienfaisant déjà. Voilà. Alors, pour pratiquer le son des poumons suivant, celui qui nous est proposé par Maître Mantakshya, il y a une préparation. D'abord, je souhaite que le visage soit bien détendu. Donc je peux par exemple faire quelque chose d'assez amusant mais très efficace, c'est chiffonner le visage. Donc j'y vais sans crainte de le déformer, ce visage. Voilà. Et puis, simplement étirer un petit peu, passer sur les arcades sourcilières, un petit peu ici aussi, avec les index, monter, descendre, puis toujours les index, l'un sous les lèvres, l'autre au-dessus. Des massages du visage, il y en a beaucoup. On n'en fait que quelques-uns là maintenant. Et puis on peut également, avec vraiment les petits coussinets des doigts, tapoter un petit peu partout. Sur le crâne, autour des oreilles.
et caresser la gorge. Trois ou quatre automassages du visage et de la tête, et déjà je sens cet effet, ça se voit, le visage se détend. Bien. Lorsque le visage se détend, il est possible que un sourire se dessine sur les lèvres, un sourire sans raison, simplement le sourire de la détente. C'est lui que nous allons inviter là maintenant. J'inspire longuement, profondément. À l'expiration, je détends le visage du haut en bas, donc voilà. À nouveau, la sensation que il y a un niveau comme ça, quelque chose qui descend. Ça peut être ressenti comme un voile très très léger qui tombe sur le visage et qui le détend au fur et à mesure. Et chaque fois, cette expiration va inviter le sourire à se dessiner sur nos lèvres. Vous allez sentir que immédiatement ça nous donne un effet de détente profonde. Donc encore, inspire. Et à l'expiration, je détends le visage du haut en bas. Voilà, ça peut n'être qu'une esquisse de sourire. Alors, ce sourire qui s'est dessiné comme ça discrètement sur notre visage, sur nos lèvres, eh bien, nous allons l'inviter maintenant dans les poumons. Donc, c'est un petit jeu d'imagination qui fonctionne très très bien pour amener la détente maintenant dans les poumons. Donc, pareil, j'inspire longuement, profondément. Et à l'expiration, voilà, je dessine un grand sourire dans la zone des poumons. Mantakshya dit « je souris aux poumons ». Voilà, qui est déjà très bénéfique, puisque par cette simple invitation, cette simple technique, c'est vraiment facile comme un jeu d'enfant, eh bien, en fait, j'amène déjà de la détente dans la zone. Or, si j'ai été attaqué par le virus, ou par les allergies, ou simplement par le stress, ou un rhume, etc., un refroidissement, en fait, ça crée du stress dans la poitrine. Donc ici, la première chose déjà, c'est de continuer d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir la cage thoracique, pour donner de la place aux poumons, ce qui nous permet de respirer mieux. Voilà, donc c'est le sourire. Je souris aux poumons. Voilà, maintenant, vous savez comment faire. Alors, autre phase préparatoire, qui est assez amusante aussi et tout aussi facile. En fait, on va effectuer un balayage dans la zone des poumons. Un balayage comme ceci, latéral, gauche-droite, droite-gauche. Comment faire? C'est extrêmement simple. En fait, je vais utiliser les yeux. Donc, je vais faire ce mouvement des yeux. Vous voyez, je regarde complètement à gauche, complètement à droite. Hop. Entre parenthèses, ces exercices-là, c'est très bon pour la vue, mais enfin, on ne s'en occupe pas trop ce soir. Alors, je vais faire ce mouvement oculaire avec les yeux fermés. Et
L'intention que j'ajoute maintenant, c'est de diriger mon regard intérieur directement vers les poumons. Donc je vais faire ce mouvement des yeux, hop, hop, sans bouger la tête. Là j'ai bougé la tête, mais c'est pas juste. C'est simplement un mouvement des yeux. Voyez, comme ceci. Mais les yeux fermés, ça va me permettre vraiment d'envoyer une intention, clac, 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 de part et d'autre. Et on ressent en effet, ou on peut imaginer au début, hein, si on ne le sent pas, un balayage très très doux et très profond également dans la poitrine. Donc allons-y, jouons à ce jeu du balayage. J'inspire, j'expire, je me détends, je pratique le sourire dans la poitrine et ensuite c'est parti pour le balayage latéral avec le mouvement des yeux. Donc c'est ce mouvement oculaire latéral qui a un effet, alors c'est assez amusant parce que en fait ça marche. C'est un peu comme si les yeux se trouvaient maintenant dans la poitrine et on ressent le mouvement des yeux à l'intérieur des poumons. Si ça vous semble plus simple ou plus adéquat ou plus agréable, ou enfin, si ça vous convient mieux, vous pouvez également imaginer que vos yeux sont soit dans un poumon ou bien dans l'autre et introduire l'exercice un poumon après l'autre. Ça, c'est vraiment à vous de pratiquer comme vous le souhaitez. Donc, balayage. Voilà. Quand on dit balayage, on peut aussi, pourquoi pas, utiliser une autre image. Choisissez l'image qui vous convient le mieux. Celle d'un balai doux, hein, mais qui résiste un petit peu. Un balai, vous savez, comme à l'ancienne, comme on voit encore par exemple en Afrique, ou le balai de sorcière, hein, avec toutes les fibres qui sont réunies et qui sont liées. Et donc, mais ici, c'est un balai beaucoup plus doux que ça. Et on peut avoir vraiment une sensation de balayage comme ceci, ou un mouvement d'essuie-glace. Enfin, vous voyez quelque chose de ce genre. La préparation est faite. Donc là maintenant, on va pouvoir pratiquer le son des poumons. On va le faire d'abord d'une façon un petit peu sonore, en émettant un son qu'on projette un petit peu dans l'espace. Donc, je place mes mains comme ceci, les paumes orientées vers le ciel. Puis, je vais monter les mains. Lorsqu'elles arrivent à peu près à la hauteur des yeux, je vais les retourner et je ne vais pas, elles ne vont pas se toucher, mais les doigts se pointent l'un vers l'autre. Les coudes sont, les bras sont arrondis et je ne vais pas aller en extension, je reste simplement dans cette position-ci, les yeux grands ouverts et je regarde vers le ciel ou vers le plafond, hein, si je suis à l'intérieur de la maison. J'ai inspiré, donc en fait, je fais comme ceci, je commence à inspirer et je fais le son entre les dents. Et puis je reviens. Donc je reviens et je dépose les mains comme ceci sur les cuisses. Alors qu'est-ce qui se passe pendant que j'effectue ce son, pendant que je le pratique? Eh bien en fait, on sent que l'enveloppe qui entoure les poumons les compresse pour les vider. Vous voyez, pour les presser comme s'il s'agissait d'éponges que l'on compresse pour en extraire toute la substance, l'eau ou autre chose. Pendant que ça se passe, en fait, on sent que les abdominaux travaillent. Et ça, c'est important. C'est important de garder une bonne assise dans le sol, un bon enracinement, et de sentir que le ventre travaille.
Parce que ici, je suis dans une position haute. Mais je ne suis pas. Le haut du corps n'est pas détaché du bas du corps. Non, c'est pas ça. Mon socle, il est ici, comme d'habitude, hein, dans nos pratiques de Qigong. Mon socle, il est ici. L'enracinement par les pieds qui sont bien en prise avec le sol. Voilà. Alors. Encore simplement une chose ou l'autre à vous préciser. Donc quand on revient, on place nos mains comme ceci pour un petit moment d'intériorisation. Et ce moment-là, il est important. C'est important de ressentir les effets de la pratique dans notre corps. On ne juge pas, on n'analyse pas, on est simplement là en observateur, observatrice des effets dans le corps. On peut ajouter quelque chose, deux choses notamment. En médecine chinoise, on attribue des couleurs aux organes et les poumons ont la couleur blanche. Ce qui veut dire que dans ce moment d'intériorisation, ça peut être le moment par exemple de visualiser les poumons avec une couleur blanche très belle, très pure, très brillante. Éventuellement, quand je veux faire cette visualisation, je vais voir d'autres couleurs qui sont mélangées. C'est peut-être le signe simplement que mon nettoyage ne fait que commencer et que, oui, il y a encore à nettoyer. Donc, je peux faire cette visualisation si je le souhaite, si ça me plaît. Et en médecine chinoise, on attribue également une émotion qui se loge, dit-on, dans les différents organes. Alors, les poumons, eux, ils reçoivent en émotion négative la tristesse. Hein? Et cet exercice, qui est le son guérisseur des poumons, permet justement de passer de l'émotion négative à l'émotion positive. Et par exemple, de la tristesse, eh bien, on peut développer plutôt une notion de courage et de droiture. Voilà. Donc bien sûr, tout ça, ce sont des outils dont vous disposez maintenant, à vous de les utiliser ou pas. Hein. De toute façon, le son, il aura son efficacité, quoi qu'il en soit. Après, c'est à nous de pousser la chose plus ou moins dans une direction ou dans l'autre. Ben voilà, je crois que j'ai tout expliqué, donc on va pratiquer maintenant. Donc d'abord d'une façon relativement sonore, on va faire une série de trois. Le sourire. Puis le balayage oculaire. Et puis. Inspire, donc les yeux s'ouvrent, étendez les épaules, je ne force pas trop, hein. Pour ne pas me fatiguer, vous pouvez vous arrêter plus tôt que moi si c'est bien pour vous. Voilà, donc je peux visualiser cette belle couleur blanche des poumons. La transformation de l'émotion. De la tristesse, on passe au courage, à la droiture, à la joie aussi. D'abord,
le sourire au poumon, puis le balayage. C'est le mouvement des yeux qui déclenche le balayage. Et puis, j'inspire. Sentez que les poumons se vident et que les épaules tombent. On a de l'appui dans le ventre, dans le bassin. Sourire. Balayage. J'inspire, les yeux s'ouvrent. Alors maintenant, on va faire une deuxième série, une série de trois également, toujours le même exercice. Alors cette fois, le son ne va pas être projeté. Là, on l'a vraiment projeté vers l'extérieur et ça a un effet vraiment de nettoyage des poumons, c'est évident. Mais on peut le pratiquer aussi d'une autre manière. La visite de Neptune, Elfie. Donc on peut le pratiquer. Ce son d'une façon beaucoup plus intérieure pour soi-même. Il est émis alors de façon sublinguale. Donc c'est beaucoup plus intérieur et là on va l'entendre beaucoup moins de l'extérieur puisque ce son n'est plus projeté. Par contre nous à l'intérieur, dans notre corps, dans notre tête, entre nos oreilles, on va l'entendre. D'accord ? Donc là il y avait vraiment une recherche pour que le son se produise à l'intérieur du corps et que ça donne la sensation qu'il reste à l'intérieur. Donc le processus est le même. Je souris au poumon, balayage. Au fur et à mesure, ce balayage ralentit peut-être. Parce qu'il y a déjà de l'apaisement qui s'installe dans notre corps. Et on y va. J'inspire.
pendant cette phase d'intériorisation, j'observe également que l'air que j'inspire est très frais, pur, et que cet air frais, agréablement frais, vient remplir mes poumons. Cette fraîcheur, donc ça c'est à l'inspiration, cette fraîcheur va chasser la chaleur excessive des poumons. Donc ça veut dire qu'à l'expiration, je guide mentalement cette chaleur excessive des poumons pour qu'elle descende dans le corps, beaucoup plus bas. Elle va même descendre dans les jambes, passer par les pieds et s'engager dans le sol. Donc même si je suis au 12e étage, pas de problème pour les voisins, je me branche directement avec la terre et ça marche. Donc à l'inspire, air pur, frais, qui remplit mes poumons. Et à l'expiration, je guide l'excès de chaleur que je fais descendre mentalement dans le corps, dans les jambes, par les pieds. Cette chaleur part dans la terre. La terre qui s'en occupe très très bien. Encore. Le sourire. Dans les poumons, balayage oculaire, et puis j'inspire, ne forcez pas, mais ici l'expiration avec le son se prolonge parce que comme ce son n'est pas projeté comme précédemment, l'air que nous expulsons s'en va à un débit beaucoup moins important. Une dernière fois, j'inspire l'air frais, qui purifie les poumons, je visualise la belle couleur blanche et à l'expiration je chasse l'excès de chaleur des poumons. Voilà, je guide cette chaleur plus bas dans le corps, jusque dans la terre. Je sens déjà que voilà, la tristesse s'en est allée et elle fait place à un sentiment, à une émotion plutôt, bien plus agréable. Et il y a aussi beaucoup plus de volume ici. Allez, encore une fois, celui-ci. Donc, le sourire. Le balayage,
les épaules sont basses, les côtes se sont affaissées. Déjà beaucoup mieux. Dans son corps et dans sa tête. Hein, c'est vraiment complètement lié. Alors, l'autre son guérisseur que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est presque le même que celui-ci. Sauf que c'est la version sonore. C'est une sourde dans les consonnes. Et la sœur de cette sourde, c'est Z. Voilà, ça c'est la sonore, la version sonore. Alors, Z, déjà rien que quand je le fais comme ça, tout simplement, Z, je sens que ça vibre. Hein, c'est l'abeille, hein, comme disait. Je ne sais plus qui, une de mes élèves, là, avant le confinement. Z. Donc, ça c'est l'abeille, ok. Eh bien, nous allons pratiquer ce son-là. Z, mais ici, vraiment, on ne va pas chercher à projeter le son comme je viens de le faire, mais plutôt à ressentir des vibrations à l'intérieur. Donc, où est-ce qu'on va sentir ces vibrations? Peut-être en premier lieu au niveau des lèvres, ou bien au niveau des cordes vocales, quelque part dans la gorge, ou bien un petit peu plus bas, ici, dans la région du sternum, ou dans les poumons, ou ailleurs dans le corps. Parce que quand on émet un son comme celui-là, on recherche en effet cet effet, celui de la vibration, vibration interne. À terme, on peut même créer une vibration jusqu'au cœur des os. Hein, donc c'est pour dire que c'est quelque chose d'extrêmement subtil. Et donc on ne va pas faire zzzz. Oui, c'est bien, mais c'est pas ça. Donc, eh bien, je fais ceci, j'inspire, je pose les doigts ici. D'ailleurs, pour continuer d'ouvrir les poumons, on peut même, encore une petite préparation, pourquoi pas, tapoter ici, toute cette zone, au niveau de la clavicule, pareil de l'autre côté. Voilà, ça va participer encore hein, à cette ouverture, à ce soin des poumons. Donc j'y vais. J'inspire. Et à l'expiration, vous voyez, vous pouvez même ritualiser un petit peu le geste si vous le souhaitez. Vous pouvez faire monter, déposer les doigts. Et à l'expiration, détendre le bras. Un bras, c'est lourd. Quand j'expire et que je détends le bras et l'épaule, en fait, simplement le poids du bras vient appuyer sur la poitrine. Donc ça va être le moment de l'expiration. On encourage à nouveau hein, le poumon à se vider. Pareil de l'autre côté, j'inspire. Et j'expire. Je peux déjà simplement respirer comme cela. Je remplis les poumons jusque sous les clavicules. Sans forcer quand même. Et à l'expiration, je détends les épaules, et le poids des bras vient presser la poitrine pour inviter les poumons à se vider. Voilà. Maintenant, j'ajoute le son. Donc, j'inspire. Ne vous essoufflez pas, mais ici, pourquoi est-ce que ça se prolonge? C'est la même chose, c'est parce que précisément, je ne projette pas le son, donc je ne projette pas l'air avec force. Lorsque j'expire, peu d'air s'échappe à la fois, c'est un fin filet d'air qui s'échappe.
Donc, on y va, on pratique ce son. Alors, celui-là, il nous vient de maître Kewen. Ils sont bien complémentaires, tous les deux. Donc, inspire. Et avec un peu de chance, vous le sentez peut-être déjà, ou alors imaginez-le, parce que ça marche très bien aussi quand on l'imagine. En fait, les vibrations que nous émettons, elles viennent littéralement remplir nos poumons et leur apporter une nourriture subtile de chi, hein. Énergie vitale. Encore, encore. On sent les vibrations au niveau des tympans ou même jusque dans la plante des pieds une dernière fois, mais vous pouvez pratiquer beaucoup plus, hein. Vous pouvez faire 3, 6, 9 et beaucoup plus si affinité, et puis surtout pratiquer tous les jours. Allez, une dernière fois celui-là ensemble, inspire. Voilà, donc je vous invite vraiment à pratiquer au quotidien. Excellent pour la santé. Et là maintenant, je vais déposer mes mains paumes orientées vers le sol. Je me détends, je sens les effets dans le corps. Voilà, et accompagné du coucou qui est très en voie ce soir, eh bien, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, une bonne santé, un bon moral, et puis à bientôt. Restez chez vous.